Amis viewers, bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentation de Baco. Alors Baco, c'est un homme tout en finesse, voyez-vous. C'est un homme très... on sent bien la finesse, la délicatesse, la poésie dans le personnage, hein, avec ses épaules qui font 4 km² et ses pieds de danseuse. Regardez-moi un peu la taille de ses pieds. On s'en fout, d'accord. Ok, donc l'auto-attaque, c'est un coup de hache tranquille, pépère. Un coup de hache qui fait quand même pas mal de dégâts et qui vous permet de charger votre arme. Là, vous voyez, j'ai 3 charges sur mon arme, ce qui va me permettre de faire le clic droit. Alors, en fait, le clic droit, c'est un lancer de hache. Et plus vous allez avoir de charges, plus ça va DPS et ça va infliger un snare. Un snare, c'est un ralentissement du bétail, hein. Alors, ralentissement de votre cible. Donc, à utiliser sans aucune modération. Donc, on charge la hache, on met un coup chargé et ça fait le taf. Ensuite, nous avons son... Comment on appelle ça? Valiant Leap. Donc, c'est un saut, une charge. Boum! Donc, ça tape en AOE et pareil, ça inflige le snare. Le snare, c'est le ralentissement. Le but du jeu, c'est de ralentir l'adversaire, comme ça il ne peut pas s'enfuir et il prend tous vos coups de hache dans sa petite gueule. Vient ensuite le bulwark. Le bulwark, c'est la compétence principale de Baco. Enfin, pour moi, hein, à mon humble avis, c'est vraiment le truc pété de Baco. Voilà. Ouais, là, la portée est très courte, donc on n'arrive pas bien à voir. Je vais le laisser se recharger. Hop. Ah mais là il tire plus, il n'y a plus le mannequin en face. Attends, tac, tac, on va faire ça. Mais ça marche pas, je comprends pas. Je mets à énergie infinie et tout. Ouais, bon, on s'en fout. Donc en fait, le bulwark, donc ça renvoie les attaques à distance dans la gueule de l'adversaire. Alors notamment sur un personnage comme Jade, vous pouvez lui renvoyer dans la tronche toutes ses attaques, que ce soit son attaque silence, son tir chargé, son auto-attaque, il prend tout dans la mouille. Donc c'est très 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 puissant. Il faut le garder pour l'utiliser au bon moment si vous voulez. Mais c'est super puissant. Donc premier avantage, ça renvoie les tirs dans la face de l'adversaire. Ça fait rien du tout contre les AOE. Et par contre, quand les attaques au corps à corps, ça inflige stun. Donc ça met KO la cible qui vous attaque au corps à corps. Par contre, c'est directionnel, hein. Ça ne me protège pas à l'arrière. Ça ne protège que devant. Ça c'est important à savoir quand même. Ensuite, nous avons le E. Alors le E, c'est une charge pareil, hein, toujours en finesse, donc qui va faire reculer l'adversaire. Et si vous faites reculer l'adversaire jusque dans un mur, il prend 16 points de dégâts. Très, très, très sympa. Donc ça permet de mettre les joueurs à l'écart et d'infliger un petit peu de points de dégâts s'il y a un mur derrière, évidemment. Voilà, ensuite le cri de guerre. Alors le cri de guerre, un cri de guerre qui protège tous vos alliés en absorbant jusqu'à 40 points de dégâts. Très costaud, hein. Hop, on fait un cri de guerre et ça met un bouclier, là vous le voyez en gris, ça fait un bouclier qui absorbe 40 points de dégâts sur vous et vos camarades. Vient ensuite l'attaque ultime. L'attaque ultime est complètement pétée aussi. En fait, Baco est pété, hein, il faut bien le dire. Alors, attaque ultime, vous allez... Donc c'est une charge un petit peu comme celle-là, sauf qu'elle est beaucoup plus longue et qu'elle inflige énormément. Ah bah tiens, on va pouvoir le tester sur lui. Vous voyez, là je lui ai renvoyé son tir dans la gueule. Hop, l'attaque ultime. Bon là il est mort avant. Mais en fait il y a deux impacts. Un premier impact, vous lui faites du dégât. Vous le faites traverser toute la map. Enfin une grande partie de la map. Hein. Regardez la distance quand même, c'est assez pété. Donc premier impact, il prend des dégâts. Et une fois arrivé en bout de course, il reprend des dégâts. Si vous le percutez contre un mur, il prend une troisième fois des dégâts. Là, je n'ai pas réussi à le bouger, il y avait trop de monde. On y retourne. Voilà. Donc, voilà, l'attaque ultime, bien pété aussi. Ensuite vient les X. Alors, les X, on en a deux. On a le Shift Espace. Espace. Le Krug, il est même plus anglais, le mec, il est américain, quoi. Ça, vous sautez sur place. Et vous incapacitez tout le monde pendant un bon moment. Hein, ça doit durer 2 secondes, je pense. 3 secondes et demie. 3 secondes et demie, c'est costaud quand même. Et enfin, l'ex avec le coup de bouclier qui va les stun nos cibles. Poum! Et un peu,
Vous mettez un grand coup de bouclier dans la tronche du mec, il dégage à 3,5 km. Et en plus, il est snare. Il est donc ralenti. Voilà. Toujours pareil, hein. Si vous le repoussez contre un mur, il prend les dégâts. Donc là, il prend 12 points de dégâts en se tapant la tête dans le mur. Voilà, voilà. Donc en gros, Bako, bon bah faut harass, harass, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors moi, j'ai plus tendance à taper sur les mêlées en face et gérer les distances avec mon bulwark, comme ça. Ok, vous tapez dessus sur votre main cible, et hop. Et dès que vous êtes menacé ou votre support est menacé, tac, le bulwark et vous défendez tout le monde. Ensuite, les rites, ils sont où les rites? Ils sont là. Alors. Celui-là, ça, ce rite-là fait que quand vous allez faire votre saut, votre Valiant Leap, regardez ma hache, elle est rouge enflammée là, donc je vais infliger 10 points de dégâts supplémentaires sur le prochain hit. Shield Bash, ça vous permet, avec votre bulwark, donc votre bouclier là, l'attaque principale, de recast pour mettre un coup de bouclier qui va affaiblir l'adversaire. Très, très sympa aussi, hein. Il va prendre plus de points de dégâts. Le Wall Slam. Wall Slam, ça va vous permettre une chose très intéressante. Quand on va percuter une cible contre un mur, donc il va prendre 16 points de dégâts et en plus être stun, incapacité, pardon, pendant 0,5, 1,2 secondes. Bon, c'est très 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 intéressant. Bah tout est très intéressant, ça je vais vous le dire à chaque fois, mais bon. Alors, mobile défense. Mobile défense, ça fait que quand vous lancez Bulwark, votre bouclier, tac, vous vous déplacez 40% plus vite. Donc c'est génial. Vous avez un distance qui vous emmerde, tac, bulwark, vous le chargez, et alors là, vous êtes devant lui en 2 secondes, quoi. Valiant Leap, enfin, Bravery, ça va augmenter votre Valiant Leap, votre saut chargé, comme ça. Boum! Et hop, ça fait qu'on est, on a une protection, une réduction de dégâts de 33% pendant 2 secondes et demie. Donc ça permet de tanker un petit peu plus. C'est bien, mais c'est pas pété, quoi. Battle Lust, ça c'est très bien. Quand vous allez faire votre tir chargé à la hache, voilà, hop. Ah, attends, faut que je prenne un peu de points de dégâts peut-être. Ouais, on s'en fout. Ah, ça fait qu'en fait, quand vous allez faire votre clic droit, le lancer de hache, vous allez récupérer 4 points de vie, plus 2 points de vie par charge de votre hache. Donc là, je vais récupérer une dizaine de PV. Bam, voilà, plus 10 PV en tirant ma hache. Donc c'est bien, ça vous donne un petit peu plus de survivabilité. C'est jamais négligeable, hein, clairement. Axe and Shield, donc ça c'est énorme. Enfin, pour moi, hein, après voilà, c'est toujours pareil. Votre bouclier, là, le Bulwark, a un temps de recharge de 8 secondes. A chaque fois que vous allez mettre un coup de hache, le temps de recharge de votre bouclier va être réduit de 1 seconde. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Vous pouvez facilement diviser le temps de recharge du bouclier par 2, quoi. Shield Sprint. Alors, ça va nous permettre d'avoir le Shield Dash, donc le E, va être plus... ouais, vous voyez un peu la distance du Shield Dash qui est augmentée de 40%. Je dis 40, mais je suis pas sûr, 25%. Et ça inflige 4 points de dégâts supplémentaires en cas de percussion avec un mur. Donc là, il va prendre 20 points de dégâts si je le percute contre le mur. Et spum, 20 points de dégâts, incapacité, grâce à celui-là. Après, c'est une question de build, hein. Si vous prenez celui-là, 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 ah, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, Weapon Mastery. Weapon Mastery, c'est ça. C'est en fait, quand vous mettez votre clic droit, vous consommez toutes vos charges. Avec ce skill, vous voyez, il m'en remet une. Si je touche, attention, si je touche avec mon tir comme ça, il me rajoute une charge. Voilà. Bof. Bof. Ferocity, ça vous permet d'avoir une charge supplémentaire sur votre hache. Donc au lieu d'avoir 3 charges, je vais pouvoir monter à 4. Ce qui fait que mon heal va me soigner de 12 points de vie et les dégâts du machin vont être augmentés de 4, je crois. Attends, c'est où? Voilà, 4 points de dégâts supplémentaires. Bam, 32 points de dégâts avec un lancer de hache, très très bien. Inspiration, bon ça c'est un truc que je crois que tout le monde l'a, celui-là, inspiration. Donc ça augmente votre recharge, vous voyez j'ai 4 barres d'ultime, hop j'ai une 5ème barre d'ultime, ce qui permet de claquer plus d'ultime tout simplement. Et mon gain
de barre d'ultime, mon gain d'énergie est augmenté de 10%. Donc la charge, la barre se charge plus vite et avec une plus grosse réserve. Donc c'est bien pour claquer des EX, des ultimes, tout ça. Battle Royale. Donc ça, c'est quand vous avez 3 charges sur votre arme, vous avez un bonus de 15% de vitesse. C'est bien. C'est pour avoir de la mobilité, pour esquiver un petit peu les tirs adverses, c'est pas mal du tout. Enfin, round 5, on a renforcement. Quand vous faites votre ultime, l'ultime c'est celle-là, hein. Bam. Vous avez un bouclier qui absorbe 30 points de dégâts pendant 5 secondes. C'est pas mal. Parce que quand vous allez faire votre ultime, les joueurs qui touchent un peu savent très bien où vous allez vous arrêter. S'il y a un mur pas loin, vous allez pas loin, tout ça. Donc la plupart du temps, si vous mettez votre ultime face à un bon joueur, il va mettre un tir chargé ou une AOE au point d'impact. Donc si vous avez ça, ça vous permet de résister un petit peu plus au contre-coup. Et Warbringer, donc ça c'est pareil, c'est en cas d'ultime, ça charge votre arme. Très 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 intéressant pour DPS encore plus. J'ai 0 charge, hop, 3 charges. Et là je peux directement réattaquer à 28 points de dégâts. Voilà, voilà. Pour ce qui est de mon build personnel, la plupart du temps j'utilise Adrenaline Rush, Battle Lust ou Mobile Défense, plutôt Mobile Défense, ça permet de vraiment d'arrasser encore plus votre adversaire. Round 3, c'est tout le temps Accent Shield pour recharger plus rapidement mon bouclier, parce que le bouclier c'est vraiment l'élément principal de Bako. Round 4, c'est un petit peu plus compliqué, j'oscille entre Ferocity et Inspiration. Je vous dirais plus inspiration quand même. Et round 5, c'est pareil. Hein. Moi, je suis plus sur Reinforcement, qui va me permettre de tanker un petit peu plus après mon ultime. Parce que votre ultime, souvent, quand vous claquez, vous êtes déjà dans le mal. Vous avez déjà perdu minimum 50% de vos PV. Donc, avoir un petit boost en fin d'ultime, c'est plutôt agréable. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour du gameplay. Des bisous, à tout de suite. Ok, c'est parti pour la bagarre. Alors, vas-y, prêt. On y va en solo queue, hein, en pick-up. Donc là, c'est toujours pareil, hein, du pick-up, c'est des fois c'est cool, des fois c'est pas cool. C'est souvent pas cool. Ok. Donc là, on a en face Jade. Donc c'est bien. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'utilisation de Bulwark. Après, tout va dépendre du Jade, hein, du Jade. J'en ai marre. Et donc en face nous avons Poloma, donc Poloma le healer, un des healers les plus pétés quand même, hein, quand vous regardez les forums et tout, stay with me and protect me, ouais t'as raison. Donc lui ce qu'il veut c'est que je fasse le garde du corps, on va essayer. Au début je leur fais confiance moi au gars, après on verra bien ce que ça donne. Ah, t'es bien gentil, tu veux que je te protège, mais enfin faut bouger un peu ton cul. Hein. Sincèrement, voilà quoi. Voilà, là j'ai renvoyé le tir chargé dans la tronche de blade de Jade. Jade. Hop, je lui renvoie son ultime dans la gueule carrément. Voilà. Donc là, vous voyez, avec l'utilisation de Bulwark, bien utilisé, bah je l'ai buté. En fait, Jade a lancé son ultime, je lui ai renvoyé 3 boulettes dans la tête, et ça a tué Poloma et Jade. L'utilisation parfaite de Bulwark. Ouais, donc là, mobile défense. En plus, j'ai un support avec moi, donc j'ai pas de raison de me heal. Allez, on y va.
Hop, je lui ai re-renvoyé son tir dans la tronche. Voilà, t'as raison. Empêche-moi d'accéder aux adversaires. C'est la meilleure solution. Ah, le ratage d'ultime là par contre. J'aurais pas dû claquer mon bulwark ici. Très mauvaise utilisation du bulwark sur ce coup. Bulwark. Ouais, je vais essayer de l'être un petit peu moins agressif. Voilà, recherche du bulwark toujours. Allez, roule ma poule. Je me suis trompé de bouton. Ah non. Non mais la gonzesse elle esquive rien quoi. J'ai une Poloma asthmatique, hein, sans déconner. Voilà, j'ai été fier par Poloma et DPS par Jade. J'ai réussi à lui renvoyer qu'une. Oh putain, j'étais en range, la merde. Ah, c'est mort. Ouais. Dommage. Bon, Poloma, là, faut que tu te bouges un peu le cul, s'il te plaît. Parce que là, si je lui colle pas au cul, elle se fait défoncer tout le temps, quoi. Stay with me, non mais t'es sérieux, non mais c'est... Oh là 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 là. Voilà, 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 voilà le problème du pick-up. Ah. T'es un corps à corps, il faut que tu restes à distance avec eux. Mais bien sûr. T'as remarqué que c'était 2 DPS distance, si je reste avec toi, on fait quoi? Allez, regarde, reste avec elle, vas-y. Voilà, t'es contente? Ah, tu fais quoi? Tu DPS quand? Ah, explique-moi, tu fais quoi là? Ah, au bout d'un moment, faut arrêter. Mon bulwark n'était pas chargé. Je vais me heal tout seul, hein, t'emmerde pas. Ok, le lancer de hache dans la tronche qui nous sauve. Ok, non, c'est bien, comme ça je peux vous montrer les 5 crits. C'est volontaire, hein, c'est pour ça que j'ai fait traîner le match aussi longtemps. Non mais il a raison, faut que je reste un peu avec lui, mais au bout d'un moment il faut aggro quand même quoi. Ah ouais, bah ouais. Ah, tu vas pas dire que c'est moi qui reste pas avec toi, non? Oh là 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 là. Oh là là, la fessée. Oh la fessée, la fessée, la fessée. L'ultime qui va pas bien. On va lui dire merci quand même.
Toujours un petit mot gentil pour votre teammate. C'est important. Ok, moins sight. On s'en fait une deuxième. En espérant tomber sur le même support, comme ça, ça va bien le faire gueuler. Et ça, j'aime bien. Moi, faire gueuler mes teammates, c'est... je pense que c'est mon activité favorite. Après, empailler les chats, bien sûr. Alors, en face, on a un Baco et on a... Bah, c'est la... D'accord, c'est une team miroir, c'est marrant, ça. J'aime bien faire ça. Au niveau des classements, ça se colle, ça se vaut. Ça se colle, ça ne veut rien dire, mon ami. Il y en a un qui a pas rejoint la partie, apparemment. Poum! Ça, je pense pas l'utiliser suffisamment. Moi, ma grosse faiblesse hein, dans ce jeu-là, c'est les EX. Y a pas à chier. Ah, le v'là. Et on y croyait plus. Ok, Valiant Leap. Donc là, je vais essayer de focus Sleepy Toad. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Il faut que je focus Baco. Tout en gardant un œil sur Sleepy Toad. Je sais pas comment il s'appelle. HK. En gardant un œil sur HK pour contrer ses bullets. Voilà, je comment il m'a stun l'enfoiré. Pas bon ça, pas bon ça, pas bon. Ah, son ultime de merde. Ah, l'ultime de HK, franchement. Moi, je le trouve trop pété. Ah, pourtant, c'est un truc tout con, ça va en ligne droite, ça devrait être facile à esquiver. Mais il met un temps de... Vous savez, il saute, puis après, il... Et en fait, une fois qu'il a sauté, j'ai l'impression que l'ultime est parti. Mais non, il y a un petit décalage. À chaque fois, je me fais avoir. Toujours ça, histoire... Bah, quoi que là, vous voyez, ça se discute. J'aurais peut-être pu prendre la hache qui me heal. Ça aurait peut-être fait du bien, quoi. Vu que j'ai pas de support. Je sais pas ce qu'il va prendre, l'autre tétard. Donc lui, il prend en braverie, d'accord. Il faut éviter de claquer vos skills une fois que Baco a lancé son Valiant Leap. Parce qu'il va avoir une réduction de dégâts. Toujours faire attention au rythme que votre adversaire prend. C'est important, ça. Ça en dit un petit peu sur sa façon de jouer. Ça, c'est vraiment le principal. Ok, le Baco est mort, c'est déjà pas mal. Ah, merde, j'ai raté mon EX. Ah ben, heureusement qu'on a Vladimir, là. Comment il s'appelle? Viadoskin... Ouais, c'est un Vladimir. Ah non, mais non. Le... Quand vous êtes en 1v1, ne claquez pas vos ultimes avant que l'autre ait claqué son escape. C'est voué à l'échec. Bon, il a bien joué, attention, il joue très bien. Mais voilà. Ou alors, effectivement, vous claquez l'ultime, comme ça, ça force l'autre à claquer l'escape. Et derrière, vous savez que vous êtes tranquille. Mais bon. Moi, je préfère le forcer à utiliser son escape pour après l'ultimer. Toujours Accent Shield, hein, très important.
Merde, j'ai pas vu son rite. On va essayer de mettre la pression au tétard là. Voilà, on lui rebalance ses attaques dans la gueule. Je pense que... Wouhou! Ouais, il était full life. C'est compliqué, full life contre pas full life du tout. Bon, vu qu'il me parle en... Hop, ça j'hésite toujours à prendre l'inspiration. Quand les gens vous parlent en russe, n'hésitez pas à vous leur parler en français. Ça leur fait du bien là. Ça leur fait du bien au moral. Très bon, ça, très bon. Un duel de Bako. Je suis un meilleur Bako que tu ne seras jamais, mon ami. Vous êtes où? Je vais aller me heal. Tiens, prends ton cheval. Ah merde. Merde. Oh, il va encore gueuler, lui. Bah oui. Ouais, mon bulwark est chargé. Ah, il a son ultime. Ça me plaît pas, ça. Ah, fais chier. Je supporte pas HK. Allez, celui-là. Enfin bon, moi j'ai géré mon Bako, toi t'as pas géré ton HK, donc ferme un peu ta gueule si tu veux. Alors... Bon, j'ai eu la barre. Et voilà, c'est le GG. Petite baston 3-2, c'est plutôt sympa. Ok, bon bah voilà pour le gameplay Bako. Vous voyez ma côte, hein, 1500, je suis toujours bloqué à 1500, j'arrive pas à monter. Ça descend pas non plus, mais pff, je suis vraiment en tout bas de grade 8. Et il n'y a pas moyen d'aller plus haut. Des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On partage, on like, on commente, on s'abonne. Et à plus tard. Ciao.